Alors, je vais vous rappeler que le sirtaki est grec, la valse autrichienne, la sardane catalane, le flamenco espagnol, la salsa cubaine et le smurf français. Le journal de presque 17h17. Et les belges B-E-2-N-Y-D. Oui, c'est très bas. Et on commence par les titres. On parlera d'une idée formidable d'une élue, les Républicains. Oh, trop bien, j'adore la science-fiction. On parlera aussi de Yannick Jadot. Oh, dommage, j'adore le charisme. Et on parlera enfin d'Emeric Lompré. Oh, trop bien, j'adore le cholestérol. Voilà. Et on commence par la justice. Après une plainte pour soupçon de conflit d'intérêts, une perquisition a eu lieu au ministère de la Justice. Eh ben oui, une perquisition qui n'a malheureusement pas permis de retrouver les électeurs ayant voté pour Éric Dupond-Moretti lors des régionales. Et oui, passons au présidentiel, car Yannick Jadot a annoncé sa candidature pour la primaire à Europe Écologie Les Verts. Quoi ? Qu'est-ce que vous me racontez là, Charles Malonaka ? Mais c'est incroyable ! Je suis sur vous le êtes, ouais, vous êtes vraiment surpris là. Non, mais vous voyez, j'ai quand même progressé un peu dans mon jeu de la surprise. Que je sais... Pas tant que ça, non, on va enchaîner. À partir d'aujourd'hui, le congé paternité en France passe de 14 à 28 jours. Mais où ce gouvernement s'arrêtera-t-il dans les mesures sociales ? C'est une avalanche de justice, de droits nouveaux, je ne sais plus où donner de la tête. C'est un petit peu mieux là, c'est un peu mieux. Merci parce que je m'entraîne beaucoup, hein, je fais des efforts. Je suis content que ça paye. Allez, hier à l'Assemblée nationale, la députée. La députée LR Annie Genevard a défendu un amendement pour interdire les danses et les chants traditionnels lors des mariages civils. Oui, je vois. Et les lacs du Connemara, oui, c'est vrai que c'est insupportable. Non, c'est pas celle-là qui était visée, non. Mais si, c'est la musique irlandaise. Non, c'est pas ça, non. Ah oui, c'est... pardon, ouais, on fait tourner les serviettes à l'intérieur. Ah, c'est pas celle-là non plus. La queue leu-leu. Mais enfin, non, enfin. Non, mais attendez, me dites pas qu'il était juste visé les chansons arabes. Vous êtes d'une naïveté touchante, Guillaume, c'est touchant. Et la Zoubida, du coup, ça marche ou pas ? Eh bien, bonne question. Il y aura certainement un amendement Vincent Lagarde. Ah bah on a hâte. Allez, on enchaîne. Lors d'un sommet international, Emmanuel Macron a déclaré « Je suis féministe ». Attendez, c'est cocasse, c'est parce que Macron, vous avez dit ? Ouais. Il porte le même nom que le président de la République qui a nommé Darmanin, ministre de l'Intérieur, vous avez remarqué ? C'est vraiment marrant. C'est lui, en fait. Ouais. Non, mais c'est pas possible, ça voudrait dire qu'il aurait laissé un mec comme Jérôme Perra, le candidat LREM condamné pour violence conjugale, se présenter au régional. Enfin, c'est le même, hein, et puis Marlène Schiappa, chargée de la citoyenneté. Oh là 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 ! Quand le foutage de gueule commence à trop se voir. C'est bon. Merci. Vivement les vacances. Ouais. Éducation à présent, un élève a rédigé toute sa copie de philosophie en morse. Alors. Et là, vous faites quoi, Guillaume ? Non. Non mais arrêtez. Non, arrête. Oh, c'est dommage. Mais non, c'est une excellente blague en morse sur les éléphants de mer. Vous l'avez ou pas? En morse. C'est consternant. Sur les éléphants de mer. Non, ça, on peut plus rien dire avec vous. J'ai l'impression. Captain Igloo, il sera en prison. Et voilà, sûrement. Vivement les vacances. Alors, selon les chercheurs de l'université de Copenhague, pour perdre du poids, il vaut mieux pratiquer 30 minutes d'activité physique par jour plutôt qu'une heure. C'est faux, Charline, c'est faux. Il faut boire de la bière et se faire teindre les cheveux par un coiffeur aveugle, selon l'Institut Émeric Lompré. Et enfin, dans le Lot, une route s'effondre à cause d'une colonie de blaireaux. Ah, c'est exactement ce qui est arrivé au régional avec La République en marche. Merci Guillaume Meurice.